faut m'écouter. On va lui faire quelque chose. Il va s'en souvenir. C'est bien fait pour toi. Mais c'est pas possible. Celui qui a cherché ça, on veut pas pardonner les enfants. C'est mieux qu'on divorce. Masmas, Massilia, venez. Kamkam, viens, viens ma chérie. Alors, ça, il faut écouter maman, d'accord? J'ai une stratégie. Pour finir les 24 heures là de papa, semaine punie là. D'accord? Il faut m'écouter. Je vais lui préparer quelque chose, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est vraiment, j'ai quelque chose pour lui, il va pas être content. C'est quoi? Je vais vous expliquer après, d'accord? Allez, il faut juste écouter maman et vous allez voir. Après, c'est fini les 24 heures punies, tout ça. C'est bien? Allez, venez, juste. Ça va beaucoup mieux. On va pouvoir reprendre le une semaine punie. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Oh. Ah, regardez. Regarde ce que j'ai. Les c'est clés. Les clés des toilettes. Papa de votre chambre? Ben oui, dans notre chambre. Papa, il se lève tous les jours. Quand il se lève le matin, il part aux toilettes. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, dès qu'il rentre aux toilettes, il faut fermer à clé. Et on va le laisser 24 heures dans les toilettes. Ça va lui apprendre... C'est abusé. Oui, et on va ouvrir le lendemain. D'accord? D'accord. Il faut m'écouter, on va lui faire quelque chose, il va s'en souvenir. Ce que je leur réserve aujourd'hui, elles sont pas prêtes. Une très très belle journée. Allez. Ah ouais, c'est vraiment fermé à clé. Ah, ils m'ont tendu un piège. Hé ! Alors là, ils vont me le payer. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Il y en a une, elle a fermé à clé. Normalement, la clé, elle est toujours à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a pris la clé, qui a dû la voler ou qui l'a mis de l'autre côté. J'ai pas vu quand je suis rentré si elle était de l'autre côté ou pas. Enfermée dans les WC. Non, mais ils ont pas honte. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est pire que la prison, ça. Hé ! Oh là 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 là! Soit je reste dans le noir et il n'y a pas ce bruit, soit je reste dans le jour mais il y a ce bruit là avec la ventilation. C'est pas croyable ça. En plus, il n'y a rien ici pour que du papier toilette, des grandes bêtises. Ah, c'est la catastrophe! Même pas de couverture pour m'asseoir, tout ça, juste les WC. Oh, ça fait un siège. J'ai même pas mon portable. Oh là là, c'est la catastrophe. J'espère qu'ils vont... C'est juste une blague, un petit prank, que dans pas longtemps, ils vont me libérer. Regardez les filles. Il est où, Kamkam? Appelle Camilla. Camilla, viens voir ma chérie. Viens. Regarde. C'est les clés des toilettes. C'est bon, j'ai enfermé papa. Venez voir. Ah oui,
lui maintenant qui va passer 24 ans dans les toilettes. Nous, c'était 24 ans. Venez voir. C'est bien fait pour toi. Hey. C'est bien fait pour toi. Non, s'il te plaît, c'est toi qui l'as enfermé. Non, c'est moi. C'est toi. Eh oui. C'est bien fait pour toi. Pourquoi, toi, qu'est-ce que je t'ai fait à toi? C'est ça de venir, mes filles, tu vas pas pardonner. Si, on va te laisser là, allez, bye bye, pendant 24 heures. Eh oui. 24 heures? Ouais. Non. Et on revient demain, t'inquiète. Allez, venez les filles. C'est bien. T'inquiète. C'est bien pour lui. C'est lui qui a cherché ça, on veut pas pardonner, les enfants. Il dort dans les toilettes? Eh oui, il va rester 24 heures dans les toilettes. Et on lui donne même pas à manger, rien. Allez, venez. Non, on va passer un bon moment. Ouais. Viens, Cap-Cap. Allez, on joue au ballon. « 24 heures dans les toilettes, mais c'est pas possible! C'est le pire 24 heures qui existe, ça! Oh là là! Franchement, elles ont pas compris, hein! Mais là, c'est même pas les filles, c'est maman! Elle va le payer, maman! Alors là, elle va le payer! Quand ils vont m'ouvrir dans 24 heures, je leur réserve... Bon, c'est pas la faute des filles, hein. Je crois que le une semaine punie des filles, c'est fini, hein. Parce que demain, ça sera le dernier jour. À cause de ça, aujourd'hui, j'avais dit qu'il y aurait une vidéo le samedi, une le dimanche. Bah, à cause de ça, je peux même pas sortir la vidéo, vu qu'ils m'ont enfermé dans les toilettes. C'est pas possible. Et je pourrais la mettre dimanche. Ouais, dimanche, il y aura la vidéo de dimanche. Donc, je suis désolé, il devait y avoir deux vidéos, il y en aura qu'une. À cause de maman. Je suis en train d'écrire une lettre à papa, comme ça, parce qu'on va partir de la maison. C'est mieux, on divorce, ça va pas du tout là, tout ce qu'il a fait, ça va pas du tout. Je suis pas contente. Oui. Attendez-moi, de toute façon je vais partir là, lui ouvrir, alors il faut que je laisse la lettre sur... Attendez-moi à côté du portail, les filles, d'accord, d'accord. Comme ça j'ouvre et on part en courant. Bon, j'espère que Habib il est pas derrière la porte. Ne fais pas un piège, sinon ça va chauffer pour moi. Je vais essayer d'ouvrir doucement et je pars en courant. Ah, ils m'ont fait ouvrir. La catastrophe, j'ai mal au dos. Elles vont voir ce qu'elles vont voir. C'est catastrophique. Je les déteste. Oh. Où est-ce que vous êtes? Ça va chauffer pour vous, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Habib, nous sommes partis de la maison. C'est trop. J'ai fait ça parce que je souhaite protéger mes filles. C'est mieux qu'on divorce. Tu es trop méchant. Bye, Asma. Ils sont partis. C'est pour ça qu'elle est partie très vite en courant. J'ai vu que... Bon, je vois le dernier jour. Il y a une semaine punie. C'est fini. C'est fini le une semaine punie. Et à cause de leurs bêtises à toutes là, voilà. La famille, c'est fini. Il est où mon portable? Il faut que j'appelle Asma. Je peux pas faire ça. Bon, je vais envoyer un message WhatsApp. Asma, parce que il faut que... Oh, j'ai mal aux jambes. Moi aussi, je suis fatiguée. Attends, ça sonne. C'est une vidéo de papa. Ah ouais. Coucou,
C'est pas grave, je vous excuse. Bon, je viens de lire le mot. C'est pas gentil, hein, ce que vous avez fait. Et pourquoi tu veux divorcer? C'est pas bien. Donc s'il vous plaît, rentrez à la maison, on oublie tout, on repart à zéro. D'accord? Si j'étais méchant, c'est parce que les filles, elles ont exagéré. Toi, là, t'es très méchante avec moi, tu m'as enfermé. C'est bon, on est quitte. Vous avez été méchante, moi, j'ai été méchant, tout le monde a été méchant, mais tout le monde dit des gentils dans la famille. Donc, il faut pas détruire la famille pour une semaine punie. En plus, vous savez de qui c'est la faute de qui? Moi, je vais vous dire la faute de qui. C'est la faute des abonnés. Parce que c'est eux qui m'ont dit oui, il faut faire le une semaine punie. Après, quand j'ai fait le une semaine punie, ils disaient ah, oh, Habib, t'es méchant. Mais c'est la faute des abonnés. Alors voilà. Alors, ce qu'il faut punir, c'est les abonnés. On va faire une punition pour les abonnés. Mais nous, voilà. Allez, s'il vous plaît, rentrez à la maison. Je vais préparer un bon petit truc que je vous attends. D'accord? Allez, je vais acheter des gâteaux, vos gâteaux préférés, tout ça. Allez, rentrez. Bisous. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Ben, c'est mieux de rentrer à la maison parce que divorcer, ça sert à rien. Et on va être malheureux, donc... Il a dit qu'il arrête, bon, on rentre à la maison. Je sais pas. C'est mieux qu'on rentre, allez, s'il te plaît, maman. On rentre à la maison. J'ai pas envie de... D'accord. Allez, on va retourner comme à la maison. On va pas laisser papa le pauvre, il est gentil. Par là, ouais. Allez. On va rentrer. Papa et maman. Bon, les amis, je viens juste de rentrer à la maison. Il commence à faire nuit. Je sais pas si... J'ai vu que maman, elle avait vu ma vidéo sur WhatsApp, mais elle m'a pas répondu. Je suis parti. J'ai acheté des gâteaux, comme je leur ai promis. J'ai acheté un plateau comme ça, avec des bons gâteaux. Hop. Et je vais le leur mettre dans un plat. Et des cookies comme ça, les filles aiment. Et j'espère qu'elles vont rentrer comme ça, elles seront contentes. Sinon, après, je vais être obligé de tout manger tout seul. Après, je vais grossir. Donc, c'est pas bien, il faut qu'elles rentrent. Allez, je vais prendre le bon plateau préféré de maman. Ah, ça, c'est le plus beau plateau. Hop, j'espère qu'elle va être contente. Si elle rentre, si elle rentre pas, si elle rentre pas, c'est la catastrophe, les amis. Bon, après, c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré, mais elles ont exagéré elles aussi avec moi. Voilà, un beau plateau comme ça. Je vais ranger les boîtes, hop, comme ça. Franchement, c'est pas beau, les amis. Voilà, je suis gentil avec elle quand même. A few moments later. Ça doit être elle, j'espère que c'est elle. Papa! Ah, ça va, mes chéris? Papa! Ah, je suis désolé. C'est pas grave, nous aussi on est désolé. Nous aussi. C'est une honte quand même, 24 heures dans les WC. Moi, c'est pas dans les WC que je vous ai mis. Hein. Bon, c'est pas grave, on oublie, on se pardonne tous, d'accord? Oui. Oui? Oui. Allez, je vous ai réservé une petite surprise comme je vous ai dit. Regardez. Ouais. Des cookies, Oreo, Snickers, wow. Et des petits gâteaux. T'es comme trop ça. Gentil, je t'adore. Ah oui. T'es hein. Le meilleur papa du monde. Ouais ouais. Ah oui. Oh, faut être mignon, mais on va être tous mignons, d'accord maintenant? Oui. 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 Allez. Bon voilà les amis. Les disputes, les punitions, c'est terminé. Et voilà. Allez. On espère que cette petite série vous a plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les bye amis. Bye bye les amis. Bye bye. C'est pas une petite suite. Ouais, c'est que des scénarios les amis. Hein? Y a pas de vraie punition. Allez, bye bye.